I love a Beethoven. Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Allez, c'est parti. Je suis sans cesse contre Lyon. C'était totalement mérité, rime. Tu nous énerves tous les matins. Moi, je te banne, moi. Je te hackle. Relance tout là. Tu peux laisser de druide gonk? J'ai pas le code là, Fatona, et honnêtement, je te le déconseille. Cela dit, si tu veux, je l'ai trouvé sur Hearthspawn. Si tu vas regarder sur Hearthspawn, elle y est, dans les decks druides, tu contrôles F gonk et tu l'as trouvé. Voilà. C'est ce que j'ai fait, je l'ai trouvé. Mais je te le déconseille, hein. On a fait une game avec, j'ai failli me suicider. J'ai failli. Heureusement, je suis un mec solide dans ma tête, hein. Mais j'étais pas loin d'en venir au pire, je veux dire. Alors je rappelle hein, que si vous venez sur le chat, et merci de ne pas parler. Non mais déjà, venez pas sur le chat si vous n'avez pas vu l'épisode. C'est très dangereux. Mais si vous venez sur le chat et que vous parlez de l'épisode, je vous time out. Hein. Je vous banne si vous spoilez. Et si vous en parlez de manière ingénue, je vous time out. Voilà. Mais par contre, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu l'épisode, venez pas sur le chat. Hein. Parce que nous ne pourrons rien faire contre un mec qui veut spoil. Il spoilera quoi. Bon, on le bannera, mais le mal sera fait quoi. Voilà. Ne venez jamais sur un chat Twitch si vous n'avez pas vu l'épisode et que ça vous intéresse. Voilà. Tout simplement. Mais rappelons que on ne veut pas la vie des gens. On ne veut pas la vie des gens ni rien. Voilà. On en parlera à partir de mercredi. Voilà. J'aime mener une vie risquée. Vraiment venir sur le chat sans arriver l'épisode, c'est vraiment être un mec qui a confiance en soi, quoi, je veux dire. Ok. Et le moment de l'épisode, c'est quand Valkenia arrive son procès Game of Levallois. Vas-y, non, mais là pour se chauffer, là. Pour se chauffer, on va s'écouter un petit. Oh là là, ah, ça me chauffe grave ça. Pourquoi j'ai pas de son? Oh, j'ai envie de je vais assassiner mon ordi, je crois. Est-ce que je peux aller en prison pour si je bute mon ordi, est-ce que je peux aller en tôle ou pas, vous pensez? Alors. Je vais mourir, perdu le baston. J'ai pas le son de mon ordi. La vie me dit de la vie me dit de me pendre, hein, je vous le dis moi. Mais pourquoi j'ai pas le son? Est-ce que j'ai le son de mes vidéos YouTube ou pas? Oh, je me suis. Alors, je crois que j'ai tué mon ordi. Je vais le tuer. Je vais l'assassiner, je vous jure. Je vais le frapper. Je vais le frapper. Je vais le frapper, je vous jure, c'est terrible. Alors. Oh, bonjour. Attendez. Du coup, on va éviter le guédon. Allez hop! Nickel ce board. Impeccable. Il est impeccable ce board. Alors, attendez. Comment on fait pour assassiner son ordinateur? Comment on fait ça? Je vais faire ça. Je suis en train de strater là. Je suis en train de strater de manière incroyable. On est pas mal là, non? Jamais il tue tout là. Non, jamais. Là, il tuera pas tout, c'est sûr. Après, on va voir ce qu'il tue quand même. En fait, mon ordi refuse de load des vidéos YouTube. Tu coupes ta carte mère en deux. Alors. Un grand kick dedans. Oh! Meilleur carte Hearthstone. Meilleure carte d'Hearthstone. La meilleure carte de tout Hearthstone. La meilleure carte. Pourquoi j'ai aucun son? Attends, c'est quoi? Je pense que ça vient. Je pense que j'ai. Je vais débrancher, rebrancher mon casque. Attendez, bougez pas. J'ai tenté l'opération chirurgicale. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ça va être incroyable!
Allô? Alors attendez. Est-ce que j'ai réparé le problème? J'aime plus le son du jeu, même si c'est la merde. On prend. Oh! Galaxy. Et on fait Galaxy à 0. Oh, c'est rigolo ça! Oh, c'est vachement rigolo ça. Alors, est-ce que j'ai le son du jeu? On n'en parle pas, Dylan. D'accord, aucun son leur sonne, très bien. Aucun son. Ah putain. Je vais mourir. Écoutez, j'ai cassé mon ordi. Tant pis. Alors. On tout coûte un maintenant, c'est bien ça. Est-ce qu'on joue le maire de Bouicabosh? C'est le vrai frérot, le maire de Bouicabosh. Hein. Non, là, faut juste qu'on mette notre main là. Voilà, vos Beethoven. Voilà, vos Beethoven. On fait la pièce, et là on fait le livre de spectre, en espérant pas discard de spell, hein, vu que toutes les créatures coûtent 1 en plus. Ok, nickel, c'est bien ça. On fait quand même le Verikai du coup, finalement. On fait Verikai, ok. On lui met tellement de pression avec toutes les créatures qui coûtent 1. Ah non mais je suis bête, je peux faire Verikai, on fait Zilex, encore mieux. Bon, c'est tout ça pour avouer que c'était mon seul dragon et que je voulais qu'il ait un PV supplémentaire, évidemment, c'était pour ça. Alors, c'était nickel en vrai. Alors, c'était nickel. Et bon, on est bien. On est bien. On lui a fait utiliser toutes ses ressources et on a gagné du coup. Ah mais putain, ça m'énerve, c'est ordi à la con là. Oh, du parleur. Résoudre le problème de son. Clique droit sur haut-parleur, barre de tâche, résoudre les problèmes de son. Comment ça? Résoudre les problèmes de son. Moi j'ai pas ça moi. Moi, je me propose pas de résoudre les problèmes de son, désolé. D'accord, attends, ça marche. Attends, pourquoi ça marche pas ça? Tester. Impossible de lire la tonalité de test. Comment ça? Comment ça, ils se foutent de ma gueule? Comment ça? C'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Windows 10. Non, vous savez que je suis encore sur Windows 7 ou pas? Je suis un vrai, moi. Moi je suis encore sur 7 hein. Moi je suis un mec fidèle moi hein. Bon, je joue le maire de Bouicabosh, au moins ça va être rigolo. Attends, mais j'aurais pu jouer après par contre. Non, pourquoi je l'ai pas joué après ce connard? Meilleure carte. Ok, du coup on tape pas du coup hein. Trop risqué de taper. Attends, du coup on pose ça aussi en plus. Bon, du coup on dort loul. Non mais j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai été tilté là, désolé. Mais c'est pas grave. On a le maire de Bouicabosh, tout va bien. Alors donc le maire de Bouicabosh, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les cibles sont choisies de façon aléatoire. Voilà. Sur Toki. Ça c'est pour vous ça. Ça c'est vraiment que pour vous que j'avais ça. Tu dis un seul. Non mais non, c'est pas grave, on a pas besoin du son. Alors seulement on a le son de ma voix, c'est la seule chose qui compte hein, j'ai envie de dire. Alors. Ok. Bonjour Aquel, comment tu vas? Comment vas-tu Aquel? Enfin cette belle journée. Donc toutes les cibles sont aléatoires. Bon le MC Tech c'est pas aléatoire au moins. Oh, on a volé Ziliax. Attends, c'est vrai que si je tape avec Ziliax potentiellement ça va taper dans mes propres créas, c'est ça? Attends, mais c'est terrible pour moi en fait. Non, au pire, je le suicide au pire, non? Non, vas-y, je tape avec, il va bien tuer une créature adverse au moins. Il va face ce con en plus! Ok, bon, YOLO! Regardez, c'est un point d'interrogation sur la flèche, parce qu'on sait pas où il va taper. Nice! Ah, mais le ping aussi! Putain, mais quel con, putain! Mais quel con! Bon, je vais arrêter de taper pour l'instant. Je suis pas. Ah non, vas-y, on tape avec Ziliax quand même. Nice! Ah non, mais là, la quête d'attaque ça sert à rien du coup. Oh putain, c'est de la merde. Attends, je vais mettre un taunt là-dessus. Oh putain. Mais non, mais appel 4 gars, ça marche pas parce que ça peut lancer l'appel de l'invocateur autre part. Bon bah voilà. Bon. Bon bah c'est bien. Écoutez. Au moins le maire de Bouicabosh est mort, ça y est. Tu peux taper que des ennemis. Mais non! Tu peux taper tes créas, regardez, je me suis ping moi-même. C'est ça qui est marrant. Attends, du coup on fait ça. Attendez, je vais vraiment avoir un ventre calante comme T7? Non. Non, ma vie c'est de la merde. Non, franchement, ma vie c'est de la merde. Et on va jouer autour de Super Collider.
Non, ma vie c'est de la merde, franchement. Ma vie c'est de la merde. Regardez mon tour 7. Regardez mon tour 7. Regardez mon tour 7. Regardez mon tour 7. Non, après, je suis d'accord que j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai voulu troll en jouant le merde de Bukawa, c'était rigolo, mais. Franchement, en ayant voulu faire le beau jeu. Je mérite pas ça. Ah, peut-être t'as raison, Saka. Ouais, c'est possible. Ouais, Saka, t'as raison, je crois. Sakai! Hello, qui Sakai! Non, Saka a raison, en fait, je crois. Saka a raison. Ok. Ouais, vous avez raison. Oh, c'est bien ça. Attends, du coup, je ping la 2-1 pour faire de la place sur le board. Ou alors, non, au pire, je mets pas tous mes dans le même panier. Ouais, et du coup, je vais tempo. Même s'il risque de tuer 4 gars. En vrai, je vais rajouter même Harrison. On setup létal, au pire, il baston. Non, au pire, il. Non, le pire, c'est. Non, il a déjà fait les deux sentiers de la guerre, je crois. Il me semble. Non, 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 vas-y, vas-y. On joue autour d'une AOE. Et s'il clean le board, on pourra remettre du board avec pouvoir de la création. Qui va être très fort. Donc on est bien. Saka 33, t'avais raison. Hein. T'avais totalement raison, il me semble bien tout à fait. Ah, j'ai gagné, cool. Attendez, pourquoi j'arrive plus à mettre de musique sur mon PC? Ça m'énerve ça. C'est pas grave. Alors, du coup, on en est où? Deux étoiles! Oh, quelle montée du ladder magnifique! En fait, mon ordi a complètement pété un câble. Attends, si je refais un contrôle là-dessus, est-ce que ça a. Parce que moi, c'est le contrôle là-dessus qui m'a niqué. Hein. Ouais, non, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre hein, tout ça quand même. Hein. Regardez, quand je veux faire un. Quand je veux faire un test, vous savez, touloudoum, touloudoum, ça me dit que. La tonalité de test est impossible. Impossible de dire la tonalité de test. Eh bien, je pense qu'il faut relancer l'ordi, mais vas-y, on va pas lancer l'ordi en plein stream. Il nous reste que 2 heures de... Il nous reste que 2 heures de stream sur Nick. Alors, de toute façon, on va monter légende, ça nous occupe déjà bien assez. Mauvais matchup de mage. Les hunters, c'est chiant. Hein. Les hunters, c'est chiant. Les guerriers, c'est bien. Les voleurs, on s'en sort super bien parce qu'on a plein de pétarmes. Mais bon. Mais il est très fort ce deck. Hein. Mais guerrier, c'est cool. Hein. Guerrier, c'est cool. Les voleurs, on s'en sort super bien avec tous ces. Avec tous ce pognon, tous ces pétards. J'ai vraiment trop cette phrase de Macron dans la tête là, tous ce pognon là. Tous ces pétards incroyables. Alors, on a une main moyenne. Mais bon. Bah, rien, monsieur Pumba. En tout cas, ça n'est pas activé, donc rien pour l'instant. Cliquez sur démarrer. Hein? Oula, Brian qui me met un tuto, mais ça a l'air vraiment trop compliqué, hein, désolé. Non, non, ça, c'est pas de mon niveau, ça. Moi, oh, cool, il perd une carte. Moi, mon seul niveau, c'est relancer l'ordi. C'est là que ça va être mon niveau. Alors. On prend le corbeau. Pour le corbeau agaçant, allez. On mettra corbeau. Tu as fait une vidéo sur ce deck? Pas encore! Mais j'en ferai une peut-être cet après-midi. Who knows? Sortira peut-être aujourd'hui ou demain, on verra. Mais il est trop. Et cette version est trop forte en vrai. Avec le run qu'on a fait hier, incroyable. Voilà, the Beethoven. Voilà, the Beethoven. Ok. Ouais, ça peut être entité en vrai, hein. J'ai pas de dragon, ça fait chier. Ok. Enfin, c'est début de partie et bah il a fait une meilleure sortie que nous, il a eu le livre. Le livre est tellement important, quoi. Donc bon. J'avoue, ça va être compliqué, quoi, je veux dire. Ça va être compliqué cette partie-là. Ça va en vrai. On a un dragon. Bah, du coup, on va juste trade, je dirais quand même. Non, on va face, on va essayer d'activer le secret. On va féticheuse, de toute façon au moins on va gagner 3 dégâts vu qu'on risque de ping de toute façon. Projet de recherche, on est tellement pas bien en termes de cartes dans la main. Vas-y je pense qu'on fait ça et on ping du coup. Pour pas le laisser trade là de 2 ping. Ok, allons-y pourquoi pas. Mais ça commence assez mal. Surtout qu'en plus potentiellement ça peut être courbe sort. Et courbe sort c'est une catastrophe. Oh, on est mort je pense. Livre de spectre. Est-ce qu'on joue sur le contre-sort? Le problème c'est que si on fait contre-sort, si on fait ça, que c'est. Oh, bon, on va tester contre-sort, mais bon. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ouais. Ça sent le finish là quand même. Ça sent le finish. Parce qu'en plus il peut ping du coup et. Oh, c'est la fin là. C'est vraiment la fin. Si on appelle l'invocateur, on est mort. Alors. On ne parle pas de Game of Thrones sur le chat. Parce qu'il y a des gens qui l'ont pas encore vu. Voilà. Tout simplement. Donc bon. Voilà, the Beethoven. Voilà, the Beethoven. Tu du 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 du
Alors. J'exécute n'importe quoi. Oh putain. En vrai s'il fait. Non, on peut même pas faire MC Tech en vrai. On peut même pas faire MC Tech. Ouais, putain, bah là out, hein. On peut même pas MC Tech. C'est vraiment la merde quoi. C'est vraiment la merde jusqu'au bout. Nomadjibre en vrai, ça tient. Blizzard c'est un peu lent, hein. Ouais, on prend les taunts, hein. Blizzard c'est trop lent. On prend les taunts. On peut livre de spectre. Ok. C'est pas fini. C'est clairement pas fini. Il y a un monde où il y a un monde où nos MC Tech font un malheur. Moi j'y crois dans nos MC Tech là. Hein. Moi j'y crois. C'est mercredi pour remplacer Baramos, hein. Mercredi la déclisse de la semaine. Votre émission incroyable. Votre émission hebdomadaire. Alors on a. Non, le problème c'est qu'il a un courbe sort et qu'on le sait quoi. Et ça c'est vraiment la merde ça. Du coup on peut pas vraiment faire appel à l'invocateur, du coup on va juste géant. MC Tech en priant de pas voler une 3-6. Ok. Et cette game de merde quoi, pose un limon. Oh une game de merde ça. Bon. C'est vraiment ce courbe sort généré là qui fait très très mal au final hein, maintenant qu'on y pense, hein. C'est vraiment ça qui. On sait que c'est courbe sort, hein. Bon ça peut être Vapo, non, non on a pas fait, ça peut pas être Vapo. C'est courbe sort et c'est un très gros contre à l'appel de l'invocateur quoi. Ok au moins y a plus de géants sur le board. Ouais y'a un monde où s'il appelle le deuxième appel de l'invocateur y'a un monde où on gagne peut-être. Parce que là on va avoir un. Ouais non c'est même pas correct du tout là notre petit dragon. Si ça va, il est correct, on va dire rien dit. En vrai, il y a match. Il y a match, pourquoi? Il y a match parce qu'on va pouvoir faire prochain tour 4 gares plus pouvoir de la création. Et si on récupère 4 cairns dans l'unique saber, ok? Donc l'objectif, ça va être de récupérer 4 fois cairns. Ça va être incroyable. On va récupérer cairns 4 fois, ça va être trop marrant, vous allez voir. Je pense que lui, ça va pas le faire forcément beaucoup rigoler. Mais 4 fois cairns, ça va être trop bien. Voilà, The Beethoven. Secret bloc de glace. À l'ancienne. Elle me manque pas cette carte bloc de glace. Remarque, si, j'ai pas mal joué de deck mage combo moi donc c'est marrant. Ok. Et c'est maintenant. Ta 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 la. Ta 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 la. Allez. Oh le 4 gars. Oh putain, faut qu'on le gère, mais je peux pas le tuer. Bah si je pourrais là. Non on peut pas, on s'en fout, hein. Nique sa mère. Allez c'est parti. C'est parti mon kiki. Hein. Attends, est-ce qu'on prend les 4. Non, les ruées c'est vraiment de la merde. On prend les 4 dragonnets. Ah oh, mais c'est lent putain les dragonnets. C'est super lent. Bon. Attends, on aurait dû avoir le DK Docteur Boom équipé, ça fait chier ça. Ok. On parle beaucoup de Balkany en ce moment. C'est normal, c'est l'ouverture incroyable du procès Balkany aujourd'hui. Alors s'il enchaîne sur Caligos pouvoir de la création, ça pue hein. C'est ce que je vais faire au prochain tour hein. Mais bon, comme lui il avait posé 4 gares avant, c'est super la merde. C'est super grave la merde là. Ça c'est la carte de Caligos ça. Ça c'est la carte de Caligos. Alors. Non mais Stotis, y'a que toi qui veux le code. T'attends hein. T'attends ou alors suce hein. Ok, Caligos. Si j'ai ship, je fais ship tous les jours. Ah non, c'est courbe sort. Ok, encore un pouvoir de la création. C'est parti. Bon bah reprenons les dragonnets. Les dragonnets. Écoutez. Et venez découvrir le cirque des dragonnets. Les dragonnets bloqueront les blizzards, les flammes strike de vos adversaires. Vive les dragonnets! Alors, le sort pour que le courbe sort? Non mais no way! Là, on a promis de gagner juste avec des pouvoirs de la création cette game. On va gagner sans faire l'appel de l'invocateur. C'est le plan de jeu. Hello, the Beethoven. Ok, là, voilà, c'est chaud, mais on va gagner, je pense. Oui, tu le Caligo? Caligo. Mais c'est pas grave, on va avoir un board insane là. Livre le spectre, vas-y perds des sorts, il va perdre des sorts, c'est sûr je le sens. Allez. Oh nice. Allez encore. Non, ok. Bon. Donc là on trade.
On traîne avec ceux qui sont à 2 parce qu'on veut que les deux en meurent. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on fait ça. Tac. On a déjà 6 cartes sur le board, si on ne rajoute rien. Ok. Ok, Coral. On pourrait. Oh, il a un très bien. On va... En dessous, on n'allait rien faire ici. Hein. Je réfléchissais, mais on n'allait rien faire de plus. Allez, hop là!